Après, bah le dernier là, celui-là, ça va, je l'ai payé pas cher. Moi j'aime pas trop. Bon, bah, non, non, c'est les joueurs du PSG, à part Mbappé, j'aime pas. À noter, c'est la première fois que ces deux formations se rencontrent. Quand on voit le niveau technique de ces deux équipes, on se dit que ça devrait être sympa, Pierre. Ouais, là-dessus, je m'en fais pas trop. Pour le reste, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Attends, c'est qui est le chef du groupe? Attends, tu veux bien me mettre en privé ou pas, s'il te plaît? Ça te dérange pas comme ça. Sur contrôle de groupe. Et après, ça doit marquer mettre sur invitation. Ouais, merci. Ça sera mieux. Du coup, t'es prêt? C'est bon? C'est parti, Arsenal donne le coup d'envoi. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Ouais, on découvre même. Ouais, pas de carton jaune, l'arbitre veut calmer le jeu. C'est pour le Non. gardien, ce ballon. Allez sortir, bien joué. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Marco Verratti. Edinson. Et le tir d'Edinson Cavani. Oh, sur la barre! Mesut Özil qui a quitté l'Allemagne en 2010. Parti pour faire du tourisme, hein. Il est parti au Real. Aaron Ramsey. Les Gunners à l'attaque. Et ce ballon qui est perdu. Alexandre Lacazette. Merde. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Duel très intéressant dans ce match, un Neymar que l'on va retrouver face à Alexis Sanchez. Oui, Neymar est un joueur doté d'un grand talent devant lui, qui perd rarement ses duels face au gardien. De son côté, Alexis Sanchez est un joueur qui... Le tir de Di Maria. Alexandre Lacazette. La passe de Dani Alves, qui a trouvé sur son chemin un joueur adverse. Kolasinac. Attention, il a du champ devant lui. André Di Maria. Chaka. Ah, il est à l'interception. Ah, c'est un adversaire qui récupère cette passe. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. André Di Maria. Arsenal s'attend à un match difficile. Ah oui, l'adversaire est de taille, ça devrait être serré. Ouais, on passe par les côtés. Lucas. Non, elle a été interceptée cette passe. Kolasinac. Peut-être un bon ballon à jouer pour Arsenal. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Mesut Özil. Ah merde. André Di Maria. Rapidité, vivacité, technicité. J'ai résumé à peu près les qualités de André Di Maria, hein, Pierre.
Il a toutes les qualités qui sont chez lui très au-dessus de la moyenne. Maintenant, bon, faut qu'il soit aussi un petit peu plus performant dans les très grands matchs. Lucas. La touche. Dani Alves. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Ouais, ils sont nombreux, il faut pas gâcher ce ballon. Marco Verratti. Neymar. Le PSG qui s'est fait une place hein, dans la hiérarchie européenne. Choisit la frappe. Merde. Putain, ouais, ça passe largement à côté. Lucas. Ouais, c'est cool ça. Je peux voir la mettre sur YouTube encore. Yes. André Di Maria. Ah, un bon ballon d'attaque. Ballon pour Neymar sur l'aile. Interception. Qu'est-ce qu'il vient de faire ? Il prend sa chance. Le défenseur qui contre ce ballon. Sanchez. Par-dessus pour Edinson Cavani. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Ah, elle a peut-être une situation intéressante là. On écarte le jeu. Et ce centre qui n'ira nulle part, il est contré. Kolasinac. Ah, l'arbitre qui indique la touche est pour le PSG, bien sûr. Les Gunners qui n'ont pas trouvé la faille pour le moment. Ouais, pareil, moi j'ai cru que c'était à moi aussi. Oxlade-Chamberlain. Il trouve Ozil sur le côté. Il est dépossédé du ballon. Ah, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Ouais, la frappe. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Verratti, ouais, sans doute une mauvaise décision que de prendre ce tir lointain. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il n'a pas cadré. De la casette. Di Maria. Il y a quand même déjà un très beau palmarès, hein, André Di Maria. Oui, surtout que sa carrière n'est pas terminée. Champion du Portugal, champion d'Espagne, champion de France, vainqueur de la C1. La médaille d'or aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 également. Je l'avais oublié celle-là. Ouais. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Et la mi-temps qui intervient. Le Paris Saint-Germain qui donne le coup d'envoi de la seconde période. Voilà Neymar, Neymar dans ses œuvres, magnifique. Ah, il parvient à stopper cette offensive. Ah non, le ballon est perdu. Les Parisiens qui vont visiblement. Et le tir d'Edinson Cavani. Ils essaient de prendre le match à leur compte. Mesut Ozil, Kurzawa, Angel Di Maria. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération milieu de terrain. Les Gunners à l'attaque.
Ouais, il a dribblé, la frappe. Oh là là, putain, là, je crois qu'elle est bien. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Ah non, Di Maria. Oxlade-Chamberlain. Di Maria. Le tir de Di Maria. Il y a qui sauve les siens sur cette intervention, toujours 0-0. Ça donne un corner pour les Parisiens. Thiago Silva. Et voilà, il est. L'ouverture du score dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Et il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé, Pierre. Ah, belle tête, hein, Pierre. Hein. Superbe, il met exactement le ballon où il a envie de le mettre. La belle détente en plus. Kolasinac. Peut-être un bon ballon à jouer pour Arsenal. Il est en position pour centrer. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. Non, elle est interceptée cette passe. Non, non, ça ne passe pas. Le joueur du Paris Saint-Germain qui a commis la faute. Le joueur du Paris Saint-Germain qui s'est rendu coupable d'une faute grossière. Oui, qui prend un avertissement justifié. Laurent Koscielny, on arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Kurzawa. Casse. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. L'attaque enrayée. Neymar. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Allez, l'accélération de Neymar. Ils ont Cavani, l'occasion. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Une ténacité qui pépère. Cette équipe joue bien, se crée des occasions. Voilà, la récompense est au bout. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Ah, une frappe lointaine, pourquoi pas. Non, ça c'est vraiment du grand n'importe quoi. En bas de cette distance, il faut avoir une sacrée confiance en soi pour espérer quelque chose. Ou être fou. Ouais, ou être dingue, ouais. André Di Maria. La chevauchée de Neymar. Lucas, ouais, la tentative. Ouh, ça a frôlé la transversale. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Il récupère ce ballon dans l'entrejeu. Mais non, cette action ne donnera rien. Mais il continue tout seul. Ça n'ira pas plus loin. Chaka. On s'approche du but. Un duel pour la récupération du ballon. Neymar. Le ballon, la bonne conduite de balle. Le contre qui est lancé. Oxlade-Chamberlain. Je rends la chatte. Attention, il a du champ devant lui.
Mais... Oh, c'était dangereux, mais il a récupéré le ballon. Bien joué. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Alexis Sanchez. Alexandre Lacazette. C'est contré hein, par le défenseur, dommage. Marco Verratti. Neymar. Allez, occasion pour Neymar. Là, ce ballon qui finit loin du but. Peut-être un bon ballon à jouer pour Arsenal. Alexis Sanchez qui prend sa chance. Non, sa frappe est bien trop enlevée. Voilà, la bonne pression hein, sur Neymar. Ce sera une touche. Chaka. On s'approche de la zone de vérité. Mbappé. Il porte le ballon. Kolasinac. Ils reprennent possession du ballon. Edinson Cavani. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Bien repoussé par la défense. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Cavani. Cavani, la frappe. Non, c'est pas très bien joué. Allez, le pantalon. André Di Maria. Et voilà les trois coups de sifflet de l'arbitre. C'est fini. À une défaite sur. Di Maria. Le tir de Di Maria. Attends. Hop.